Donc, j'en étais là. Mais où exactement? Libertalia, enfin? Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de A Fisherman's Tales. Et oui, nous sommes à Libertalia. Il va nous manquer l'autre partie du bijou. Là, je peux prendre ça. Je voulais prendre les cartes, mais on peut pas. Bon, Libertalia! Eh ben, c'est super chouette, Libertalia. C'est vraiment très classe. Allez, on va sortir, on va y aller. On va aller voir ce qui s'y passe. On a envie de se baigner, hein. On a envie de se baigner. Ouais, c'est très beau, là. Bien sûr, je ne devais pas oublier la moitié d'œuf de Kraken. Le trésor qui me prouverait digne de Libertalia. Du moins, je l'espérais. Ah ben, ça commence bien. Je suis déjà passé à côté, quoi. Eh, je comptais bien le prendre. Mais pas maintenant, je voulais d'abord aller voir ce qui se passait. Au moins récupérer l'autre partie, mais non. La moitié devrait suffire. Alors... Ah, c'est très chouette. Eh, j'aime bien. Eh, j'aime bien. Hey, voici un joli morceau de bois flotté. Ah, on ne mange pas. Ah ouais. Viens t'échouer sur mon rocher, capitaine. Il y a d'autres bateaux. Il y en a deux là-bas. Un là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, regarde. Libertalia m'a l'air un peu... glauque. Ouais, c'est clair. C'est pas fou. Salut, Marvel. Bienvenue au Libertalia. Enchanté. Le Libertalia? Tu cherches un peu de piment? Ou une petite friandise? On a tout ce qu'il faut ici. La seule chose qu'on n'ait pas, c'est des regrets. À part ce que tu crains mal avec toi, bien sûr. Mon seul regret, patronne, c'est de ne pas être arrivé plus tôt. Bon, où est-ce que je... C'est bizarre ici, papa. Qu'est-ce qu'elle entendait par friandise? Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Tu as apporté ton offrande? Dépose-la ici, mon loup. Ils vont essayer de me bouffer. Un œuf de Kraken. Brisé. Bon, j'imagine que ça ira. Mais la seule chose que les gens apportent toujours ici, et dont je ne veux pas, c'est leur passé. Tu as bien laissé le tien à la porte, j'espère. Et maintenant que la fête commence, approche mon loup. Respire ce parfum et danse de tout ton corps. À la tienne, marin. Goûte à la liberté et à tous ses plaisirs. La liberté a un goût, et il est parfois amer. Mais il y avait tout le nécessaire ici pour se rincer le gosier. Elle m'indiqua d'où venaient les bruits de danse endiablée. Ah, j'y étais enfin. Il va se passer un truc, là. Ça va pas du tout, ça. Ça pue l'embrouille, c'est évident. J'étais arrivé juste à temps pour la fête. Ah, je pouvais sentir la musique et mes doutes s'envoler. Si on y va. Était une fois ou deux, ma foi, je chantais ivre et sans regret, affranchi de mon peuple. Oh! Et rond comme un roi. Oh non! Oh non, papa! Ça devient vraiment trop gênant. Sors de là, vite! Ah ouais, mais bon. Ah,
pas possible. Ah mais c'est de ma faute en fait. Il faut que j'essaie de voir est-ce que je peux tirer. Libertalia, là, on n'est pas prêt de s'en sortir. J'étais là, non? Là, je peux pas. Ouais, là, ça tombe. Là, ça. Ça tombe. Ça tombe aussi. Là, ça tombe pas. Bah, ouais. C'était vraiment ce que tu voulais? Et à quel point? Ouais, je fais comment? Que je croyais, papa. J'avais traversé la brume. Je voulais me détacher de mon passé, mais le regret nous fait toujours face, comme un récif. Ouais, parce que là, on est en train de retourner au bateau, en fait. Ah, mon corps. Chapitre 4, Libertalia. Bon, ben ouais, hein. On est parti. C'était une fois, une première fois, oui. Ma première sortie en mer, pêchant aux côtés de mon père. Chaque prise faisait sa fierté, sa joie. Oh, oh. Donc, tu étais pêcheur avant ? Bah oui. On a joué au vin, nous, madame. Ah, c'est excellent. C'est excellent, ils sont énormes. Alors, on est seulement, non seulement pêcheurs, en plus. On a l'air de pouvoir prendre des crochets. Il y a que ces crochets pour aller quelque part, hein. Mais où, je ne sais pas. Allez, salut.
J'ai pêche comme ça. Ah d'accord. Où est-ce que je l'ai mis? C'est toi. Hop là. Je vois un gros. C'est être libre, mon enfant, disait mon père sur son chalutier. Pêcheur de père en fils, si je comprends bien. C'était une fois, encore une fois, j'étais le plus grand des pêcheurs. C'était longtemps avant que tu ne rencontres maman, ça. On va monter. Oh, je suis nul. Ah, quand même. J'en ai deux. Reviens, toi. Bon, j'ai récupéré les deux. La musique s'est arrêtée. Il y a des très très gros là-bas. Faut pas les avoir. Eh oui, le phare. Quand enfin l'orage va venir, le ciel confondu à la mer, blâmant ma folie et mon père, je veux venir ma dernière heure. C'est génial, hein. Il est énorme en face de moi. Petit côté Alice au pays des merveilles. Je saute comment? Ouais, mais... Ah ouais, d'accord. Quand tu te rapproches là, quand je fais dans ça, tu fais là. Tête, seul, je reconstruis. Pour tous ceux perdus dans l'océan, chaque jour passe si lentement. Est-ce que c'est moi qui me déplace? Ouais, la lumière en faiblit. C'est un peu super compliqué. Papa, tu méritais mieux. Ouais, mais... Eh, c'est chaud, quand même. C'est carrément chaud. Non. On en profite, on avance. Tant que ça marche. Hop là.
c'est ultra chaud. Ça c'est pour la hauteur. Si je me tourne comme ça. Ah, je t'avais pas vu toi. Chaque jour qui passe, je construis des maquettes pour m'enfermer. Mon phare maintenant ténébré me sauve de tout ce que je fuis. Mais tu ne rencontreras jamais maman si tu restes ici. Ouais. Mais je galère avec toi. Ah, merde. Ah, pardon. C'est un peu... complexe. Franchement, il faut bouger les mains dans tous les sens et il n'y a pas vraiment de sens. J'ai l'impression que c'est dû au fait que ça nous représente, nous, là, sur les côtés. Là, il y a un truc. Si je remonte. Sa tête en fait. Regardez, là c'est des bugs. Je trouve complètement, je vais y aller en arrière là. Si là je suis bien, je dois être comme ça, je ne peux pas y aller comme ça. C'est bon. Ça, c'était compliqué. C'était même un peu chiant, d'ailleurs, si je peux me permettre. Il y a plein. L'été d'une fois. Attends quand même qu'on puisse enfin commander ce bateau. C'est à partir de là que tu as commencé à chercher Libertalia. Un petit jeu de pirate comme ça, ça pourrait carrément faire. Hein. C'est moi.
Faut que je quoi? Faut que je passe au milieu là? Il y a un kraken là qui se pointe. On le voit de plus en plus. Le kraken s'agite, elle veut son dû. Le ciel s'effrite, que feras-tu? Le kraken te traque, il t'avait. C'est elle qu'il chasse, tu l'as toujours su. Oula, oula, oula. Mais tu l'as laissé en plan. Oh. D'accord. Était une fois, cent fois, mille fois, la poursuite d'une lâche escapade. Cette tornade, mais la tempête fait rage en moi. Non, j'y suis, Libertalia, tu perdu mon cœur. Et gagner quoi? Pourrais-je faire face? Personne n'y croit, changer l'histoire. Une dernière fois. Alors, si c'est comme ça que tu vois ta femme, le kraken. Et je suis déçu. Papa? C'est mon grand-père. Papa, je suis désolé. Je n'ai jamais été un vrai marin comme toi. Non, mon garçon. En effet. Moi non plus, je n'étais pas le marin dont mon père rêvait. Tu avais une chance d'être meilleur que nous. Regarde-toi maintenant. Papa, le kraken approche. Même face à la tempête, tu n'as pas rebroussé chemin. Crois-moi, tu peux affronter ce kraken. J'avais peur de perdre ma liberté. De perdre une part de moi-même. On perd des parts de soi tous les jours, mon garçon. Et on en trouve des nouvelles. Il n'est pas trop tard.
Quoi? Voici ma pince. C'est ma meilleure, hein. Un premier. Alors, tout devint clair. La liberté, chaque fil de l'histoire. Je laissais le passé derrière moi. Mais le regret serait toujours comme une tempête à l'horizon. À moins que je ne réduise la voilure et ne transperce la tempête. Maintenant. Très très bien raté. Et voilà. Ça y est, tu es réveillé. Reprends ton paiement. Mais non, reprendre. Ton demi-trésor ne vaut pas grand-chose en l'état. La liberté ne s'enferme pas dans un coffre. Crois-moi, elle s'embrasse. Tu as raconté une belle histoire, Bob. On en a tous profité, mais quel genre de fin aura-t-elle ? Kenred, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh ouais, Bob, chapitre 4, Libertalia. Mais on vient de elle finir. Avait besoin de toi. Et tu as juste pris le large. Voilà, oui. T'as foiré, Bob. Peut-être n'était-il pas celui que je croyais. Oh, maman. J'aurais aimé te demander tant de choses. Et maintenant, me voilà à parler toute seule, comme ce satané Bob. Ok, l'écran du projecteur est en place. Il doit bien y avoir une fin à cette histoire. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? Allez, Nina. Là. Ah, Bob. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il était en pièces. Après ce qu'il avait vécu dans la tempête, il s'était réfugié dans un phare. Dieu sait combien de temps. Finalement, il avait trouvé le courage d'en sortir en se lançant dans une aventure insensée. Et très vite, il a échoué en morceaux sur le pas de ma porte. Alors j'en étais là, Nina. Échoué, sans bateau, sans option. Le courant m'avait charrié ici et je ne pouvais pas lutter contre lui. Papa ? Comme je te l'ai dit, si tu restes ici et travailles dur, on te remettra d'aplomb. Le bonne mère. Un bar de marin. Ils ne m'en ont jamais parlé. Tu vois, lorsque tu te retrouves sur un rivage mystérieux, tu dois t'adapter pour rester maître de ton destin. On dit que t'es un bon marin, Bob, mais je ne te savais pas aussi conteur. Enfin, une chose en entraînant une autre, j'imagine. Mais il ne tenait pas en place. Il ne parlait que de liberté. Il disait qu'un jour, il irait faire fortune, puis qu'il m'épouserait. Mais celle-ci, je l'avais déjà entendue. Enfin, si proche de la liberté. Quand j'arriverai à Libertalia, tout prendra enfin sens. Il le faut. Et un jour, sans prévenir, il est parti. Tout en me laissant un petit morceau de lui. Qui rapidement devint un gros morceau. L'équipe voulait le trouver pour le passer sous la quille. Moi, je me disais, s'il ne veut pas rester, eh bien, bon débarras. Mais bien sûr, il n'était pas allé très loin. Et un jour, soudainement, Bob, le vagabond, le rêveur, il s'est enfin décidé. Kenred, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, c'est bloqué, maudit appareil. Je ne peux pas en rester là.
Je n'arrive pas à le croire. Toutes ces histoires qu'il me racontait, il cherchait juste à faire passer ses décisions stupides pour de grandes aventures. Eh ouais, Bob. On peut pas toucher à ça pour débloquer l'appareil. Alors là, je vais parler un petit peu de moi, mais comme je vous l'ai déjà dit, ce genre de jeu me parle puisque mon propre père était marin-pêcheur. Et c'est vrai que l'appel du large, c'est pas quelque chose d'inventé. Ça existe vraiment. Oh, comment j'ai pu lui faire confiance. Cas, quel plaisir ce jeu. Quel plaisir. Allez, pour moi, ça me touche vraiment. Finis la maquette. Va jusqu'au bout. Bon, eh bien, écoutez, je vais donc vous laisser. Vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vais vous dire à bientôt. On va démarrer le prochain chapitre, comme d'habitude. Et il arrivera, écoutez, la prochaine fois, dans l'épisode d'après. Allez, on y va. Il faut Bob, certainement. Il va falloir sortir du Kraken. J'ai bien l'impression, effectivement, qu'on arrive sur la fin. Je voulais C'est tellement vraiment génial. Croire. Est-ce que moi aussi, je me mentais à moi-même? C'est très touchant. C'est l'histoire que je n'ai jamais eue, quand Bob a rencontré le Kraken. J'ai toujours cru que les monstres n'étaient pas réels. J'espère au moins que tu l'étais, papa. À toi, Bob. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? C'est touchant. Je voulais me presser à aller voir les photos. Mais effectivement, elle ne l'a pas connu, donc. J'en étais là. Comme un rêve qui prend fin, je m'étais arraché à Libertalia. Quel idiot j'avais été. Le Kraken arrivait et avec l'œuf cassé, il ne trouverait pas la paix et continuerait à nous traquer sans relâche. J'en savais quelque chose. Je n'allais pas laisser Kenred l'affronter seul. Je devais reconstituer l'œuf, même si, après ça, elle ne voudrait plus jamais me revoir. La créature déchiquetait le bonne mère. J'arrive, Kenred! Allez, je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vais vous dire à bientôt. Allez, au revoir. C'est super cool. Vraiment, ça me touche beaucoup.